Merci beaucoup. Vous êtes bien aimable. Ce gars, ce coach Tony Vern, il est un peu fou, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Tony Vern donne une conférence de presse à chaque fois qu'il éternue. Mais... Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Merci, mon gars. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le tout dernier membre de l'équipe de Technicali. Mesdames et messieurs, le meilleur attaquant de Brislovie, attaque! Mais je me bats! Ton frère? Tony Vern a fait signer ton frangin. Ça, c'est la misère, mec. Comme vous le savez tous, notre cher Attaque ne parle que sa langue, le brislovien. Argour et Indugar. Mais aujourd'hui, je lui offre l'immense chance de pouvoir s'adresser à nous directement. Mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi d'avoir la chance de montrer mes qualités de footballeur face aux Super Strikers dans l'élite mondiale. Cet outil de traduction, unique au monde, me permet de communiquer efficacement avec mes coéquipiers et d'élever mon jeu. Coach Vern me l'a assuré, je suis le plus grand joueur venu de ce beau pays qu'est la Brislovie, le meilleur de tous les temps. Locke a l'air vraiment secoué. Il va être tellement distrait une fois sur le terrain qu'il va être incapable de contrer Technicali. Nous tenons notre victoire. Bloc, prépare-toi, ils arrivent. Ça va, frangin? Alors, ça vient d'où cette brouille entre toi et ton frère, Bloc? Ouais, c'est vrai. Il vaut mieux qu'on sache où on en est, mon frère. Bien sûr que je peux traduire. Nous étions non seulement frères, mais aussi amis. Nous partagions le même rêve. Nous avons progressé et nous visions tous deux la Super League. Mais quand le rêve a commencé à devenir réalité, Attaque est devenu de plus en plus agressif avec ses coéquipiers et avec moi. C'est pas cool, ça. Et après ? Après, l'impensable s'est produit. Je suis devenu un Super Striker, mais Attaque n'a pas réussi à percer. On ne s'est plus parlé depuis ce temps-là. Sacrée histoire. De la jalousie et de la rivalité dans notre beau sport. Et comment ça s'est fini? Ça se finit avec nous. Et avec nos deux prochains matchs contre Technicali, mon frère. Bon, Bloc, est-ce que ça va aller pour toi avec toute cette histoire? Oui. Quoi? Attaque semble content de jouer pour Technicali. Peut-être que vous pouvez redevenir de vrais frangins maintenant. Jour de match à Strikerland. Les Super Strikers contre FC Technicali. Deux frères qui s'affrontent. Un attaquant contre un défenseur. Attaque face au Bloc. D'accord, on a compris, Mac. Attaque a été très clair au cours des dernières interviews. Il dit qu'il est le meilleur joueur des deux. On sait qu'il a la langue bien pendue, mais que vaut-il sur le terrain? Bonne chance, et que la meilleure équipe gagne. Il est temps de diviser pour mieux régner. Compris. Attaque est tombée dans le piège. Belle tactique défensive de la part des Super Strikers. Même avec son collier de traduction magique, Attaque reste sans voix devant le talent éprouvé de son frère.
Des Super Strikers! Un but qui permet aux Super Strikers de remporter une courte victoire. S'ils jouent comme ça pendant la deuxième de ces deux confrontations, ils sont sûrs de marquer le nombre maximum de points en Super League. Mon plan a complètement foiré! Il me faut un plan B, mais quel plan B? Je n'ai aucun plan B! Ah, c'est ça que je cherchais. Tu avais tort! Ce collier ne m'aidera jamais à prouver que je suis meilleur que mon frère! Ce n'est pas un plan B qu'il me faut. C'est un collier B. Un B comme bloc. Ça me dérange un peu, Tony Vern, que tu laisses nos rivaux se servir de notre technologie spéciale. Tout comme le tien, ce collier traduira à la perfection tout ce que Bloc dit. Mais si j'appuie sur ce bouton, la traduction n'aura absolument aucun sens. Voilà la meilleure façon de prouver que tu es le meilleur joueur attaque. Signe ici. Une carte postale? De moi? Pour qui? Pour Bloc. Hein? Comment t'imagines-tu qu'il acceptera ce cadeau autrement? Hein? Un colis pour un monsieur le Bloc? Monsieur Bloc, vous avez de la chance, votre frère vous envoie une banane. Une petite signature, car je suis une banane responsable. Oh, toute la nation jamaïcaine est au bord des larmes. Une hein? Attaque, envoie à Bloc un collier similaire au sien. Mais ça va nous aider à les battre, non? Quel imbécile. Je veux dire, quel est le message qui accompagne le collier, hein? Oh, il va essayer de nous parler avec maintenant. Ça ne fonctionne pas. C'est exactement ce qu'on entend d'habitude. Salut. Alors, vous me comprenez? Ouais, génial. Mais c'est génial. Leur attaquant approche. On resserre le marquage, maintenant. Sur ta gauche. Marque-le. Elle est pour moi. Tu te débrouilles bien, mec. C'est jour de match à Strike Island, et la rencontre d'aujourd'hui fait partie des matchs les plus attendus de l'année. Oui, et en plus, les deux frères vont bénéficier des colliers de traduction imaginés par Tony Vern. Aristote, on dirait que Attaque a changé finalement. J'ai hâte de me mesurer à lui avec fair play. Tu as appelé ton ours en peluche, Aristo. Hé, hey, les gars, vous êtes prêts à en découdre? Lance, attention! Oh, c'est passé près, mais c'est cassé. C'est une bonne chose qu'il ait ce collier de traduction, hein, non? Carlito, tu es revenu! 1, 2, 3, Super Strikers! Super Strikers, ça sonne vraiment bien, bien. Après le premier de ces deux matchs, bien malin qui pourrait dire laquelle de ces équipes prendra les trois points. Mais en ce qui concerne l'opposition entre les deux frères, Bloc aura un avantage encore plus grand aujourd'hui. Non, Tony, pas encore. Tu dois attendre le bon moment pour bloquer le Bloc. C'est le bon moment pour action 3-9-7-2.
T'as raison, mec. Je m'en occupe. But ! Quel beau but signé, El Matador ! Les Super Strikers mènent 1-0. Voyons maintenant comment vous tenez le choc. Ah ! C'est une superbe action défensive. Encore une fois, les hommes en rouge font du super travail. À midi ! J'ai vu mon frère. Il faudrait un miracle pour que Technically parvienne à s'approcher des buts des Super Strikers. Ah. Ne parlez pas trop vite. Attaque est déterminée à mériter son nom. Tenez-vous prêts ! Ah, Brenda, ce match est pour ainsi dire plié. Vous l'avez dit vous-même la dernière fois. Il parle beaucoup, mais il agit peu. Prépare-toi à devenir célèbre, Tony. Qu'est-ce que t'en penses, mec ? C'est le bon moment ! Napoléon Bonaparte ! C'est incroyable ! But ! Quelle égalisation de la part de Technically ! Je n'ai pas bien compris ce qui est arrivé à la défense des Strikers. Squash ! Banjo ! Hein ? Parallélogramme ! Secoue-toi ! Mec ! Ping-pong ! Allons-y, chien de berger. Hein? Voilà, on revient à la normale. Ce qu'il dit n'a aucun sens, bon sang. Il parle d'animaux de ferme et de trucs qui veulent rien dire. Mais nous savons tous que le collier fonctionnait bien à l'entraînement. Tu vois, moi je comprends tout ce qu'il vient de dire, Norse. Moi aussi, mais je t'assure crois que... qu'on devrait donner à Block une seconde chance, Norse. Bon, d'accord. Allons écraser ces rigolos. On est prêts. Je suis prêt. Allons-y. C'est toi qui commandes. Action numéro 4,653,006 Brésiliens, derrière toi! Qu'est-ce que Norseau est en train de faire? On dirait qu'il est en train de regarder son... Mais, attendez! Attaque s'est infiltrée et il en profite bien! But! Technically prend l'avantage! Ça suffit! Il y a vraiment quelque chose de louche, là! Hein? Anti-moustique! Papier de toilette! Pâté bouchard! Non! Qu'est-ce qui se passe? Le bloc se serait-il blessé ou bien... Notre défenseur central est devenu complètement fou! Loin de Murphy et chaud de Bruxelles! Si quelque chose peut tourner mal avec les légumes, ça le fera! Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tout va bien, les gars? J'ai jamais mangé de sucette en été. Ok, mais c'est pas mon problème, mon gars. Mec, ça vient pas de toi, mais de ce collier à la noix. Non. Quoi? Il est coincé? Bah, il faut te l'enlever, mon frère. On reprend le jeu. On dirait que toute l'action se passe en coulisses, Brenda. Qu'est-ce qui se passe chez les défenseurs centraux des Super Strikers? Eh bien, Norse semble en train de d'étouffer Block. Il semblerait que la tension soit encore montée d'un cran entre les deux Super Strikers. Je n'aurais pas pu dire mieux, mon frère. C'est vraiment génial. Et maintenant ?
Oh, c'est trop! Le redémarrage ne s'est pas fait complètement sans mal. Mais la défense des Super Strikers s'est bien reprise durant la deuxième mi-temps. Bien joué, mec! Mais qu'est-ce qui se passe? Mets en route! Mets en route! Le collier est bien en route! C'est Block qui a tout compris! Oh non! C'est pas possible! L'amour là! Encore une rogue encore! D'accord! Eh bien, dis donc, Attaque a du mal sans son collier! Shakes! Quel but! Et le score se resserre à 2-2. Et encore Gangler! Encore Gangler! Gangler! Oh, Block dégage le ballon dans le public. Ne frappe pas. C'est mon bébé. Le jeu reprend ses droits. Maintenant, on finit le travail. Espérons que le jeu reprenne dans des conditions normales. Oh ! On passe à la technique Neutron X. Quelle belle action de l'attaquant de Technicali ! Je pensais que le bloc le tenait. D'où Jésus, il s'agit là d'une vraie foire d'empoigne maintenant, Brenda. Brenda? Remporte la victoire. Oui, et j'ai dans l'idée que ces colliers de traduction ont causé bien du souci aux deux équipes aujourd'hui. Je crois que nous ne saurons jamais la vérité, Mac. Merci, Block. Tu es un grand sportif. Mais tu cognes toujours comme grand-mère Popovitch. Non ! J'ai beaucoup de chance que tu sois mon frère. Oh non, ce match a démontré que nous méritons tous les deux notre place en Super League. Eh bien, on dirait que les deux frères se sont réconciliés malgré leur appartenance à des équipes opposées. Tu vois, mon gars, on n'avait pas besoin de toute cette super technologie pour gagner ce match. Ouais, je crois qu'il faut vraiment pas changer une équipe qui gagne. Super Strikers! Comment? Comment j'ai fait pour perdre? Tu n'avais donc pas de plan C? Ah